Ils sont chouettes, n'est-ce pas? C'est mon père qui me les a offerts hier. Terrible! Tu veux bien nous les prêter? Je ne sais pas. Oh oui, allez, laisse-nous les essayer! Espèce de crâneur, tu vas nous les prêter, tes patins? Qui tu traites de crâneur? Toi, crâneur! Enfin, il fallait le dire que tu les voulais. Je te les aurais prêtés. Il est pas fou, Geoffroy. Il sait bien que pour donner des coups de poing sur le nez, Euth, c'est le plus fort. Oh. Vous voyez? Très impressionnant. Ben alors, on dirait que tu ne sais pas en faire. Si, faut juste que je... Oh. Attends, Euth, on va t'aider. Prêt? Prêt! Attendez! Papa, qu'est-ce que vous faites? Pas si vite, lâchez-moi! Donne-moi ces patins tout de suite! Ils sont confisqués, voilà! Ce n'est pas juste! Vous n'avez pas le droit! Je vais aller le dire à mon père! Qu'est-ce que j'entends? Regarde-moi bien dans les yeux, petit insolent. Pour t'apprendre la politesse, tu me feras 200 lignes pour demain. Mais, monsieur, ce n'est pas juste. Tu t'en fiches, de toute façon, le chauffeur de ton père les fera à ta place, comme d'habitude. Non, cette fois, Albert ne pourra pas, il est en congé. Oh. Monsieur Dubon, je voudrais que... Un instant, monsieur le directeur. Voilà. Que puis-je faire pour vous, monsieur le directeur? Voyons. Je repasserai plus tard. Oh. Reprends tes patins en roulette, mon garçon. Mais je te préviens, je ne veux plus jamais te revoir avec à l'école, c'est bien compris? Oui, merci, monsieur. C'est drôlement dangereux, ces engins-là.